Bonjour mes chers amis à une nouvelle vidéo de la lexique. Lexique en relation avec l'art et la créativité. Lexique عنده علاقة بالفن والإبداع. Objectif, utiliser le lexique thématique, يعني استعمال مصطلحات de l'art, الفن et de la créativité, ديال الإبداع. محي بين بين un artiste polyvalent, فنان متعدد المواهب. Né à Marrakech en 1959, Zed Marrakech en 1959, Mahi Binbin est peintre, rassam, sculpteur, nahat et écrivain katib. Ses peintures font partie de la collection permanente du musée Guggenheim. يعني الرسومات ديالو جزء لا يتجزأ ديما من عرض ديال المتحف. يعني الرسومات ديالو ديما كتكون موجوده في المتحف ديال كوغنهام دو نيويورك. اي سي رومون يعني الكتب ديالو سون ترادوي دون بليزيور لانغ, يعني تترجموا لبزاف ديال اللغات. Il a eu plusieurs prix littéraires, dont le prix de l'amitié franco-arabe, le prix du roman arabe, et autres. Alors, son récit inspiré de faits réels, le récit Diallo, تخدم واحد الأحداث حقيقية سميتو les étoiles de Sidi Moumen, نجوم Sidi Moumen, et porté à l'écran, يعني رجع دوه فيلم par le réalisateur marocain من طرف المخرج المغربي نبيل عيوش sous le titre Les chevaux de Dieu, يعني خيول الإله. Il est sélectionné pour représenter le Maroc, يعني هذا الفيلم يعني انتقاء تم انتقاؤه باش يمثل المغرب فاش اوزوسكار دو سينما في اوسكار سينما 2014-2014 دون لا كاتيغوري ميور فيلم اون لونغ اترانجير, احسن فيلم بلغه اجنبيه. J'observe et je découvre. Quelles sont les créations représentées, يعني شنو هما الابداعات représentées par les documents, يعني اللي تمثلونا في هاد لي دوكيومون et les images في هاد الرسوم ci-dessus. Alors, les créations représentées par les documents et les images sont, alors عندنا هنا un roman, la sculpture يعني النحت منحوتة et des tableaux. D'accord. Alors, quel est le lien entre ces documents et le texte? شنو هي العلاقة ما بين هاد الوثائق والنص؟ Alors, les documents sont des exemples امثلة de la créativité من إبداعات de محي بن بن. يعني هاد لي دوكيومون الوثائق كيمثلوا لنا امثلة من إبداعات محي بن بن. Alors, je complète le tableau par le numéro de l'image. Je complète le tableau par le numéro de l'image. يعني كل image غادي ندير numéro ديالها في هذا التابلو. عندنا photo, couverture du roman. Alors شنو هي la photo اللي كتمثل الغلاف ديال الكتاب هي B. Photo de l'artiste, صورة الفنان هي C. Une sculpture, يعني منحوتة, هي photo A. D'accord. Par quel mot l'artiste est qualifié, يعني باش تعرف هاد l'artiste dans le titre, باش ميزناه ولا باش qualifiناه. Alors, l'artiste est qualifié par le mot polyvalent. Polyvalent, يعني متعدد المواهب. Déduit le sens de ce mot. شنو هو المعنى ديال polyvalent? Alors, polyvalent qui signifie qu'il y a plusieurs fonctions. عنده بزاف ديال المهام
أو بزاف ديال المواهب. Justifie ta réponse par une phrase de texte. يعني علي جوابك بخلال من جملة من النص. عطينا جملة من النص. Alors, Mahi Benbin est peintre, rassam, sculpteur, nahat et écrivain, katib. Je complète le tableau suivant. Nkemmel had le tableau par les mots en gras. Alors, celui qui écrit des livres, katib koutoub, jno nqololo, kanqololo, écrivain. Katib. Lieu où on expose des œuvres d'art. يعني مكان كنعرضوا فيه لوحات أو ديال الفن. Musée. متحف. Histoire portée à l'écran. يعني واحد الحكاية ولا واحد القصة كنشاهدوها في التلفاز par une succession de scènes enregistrées. يعني كيكون فيها بزاف ديال اللقطات مسجلين كنسميوها فيلم. Alors lieu où on projette des films. شي بلاصه مكان اللي كنديروا لا بروجيكسيون دي فيلم سينما. Qui taille des formes dans des matières solides. يعني شي واحد كيقاد واحد لي فورم بمكونات صلبة. سكولتور. نحات. الليفر où on raconte une histoire. واحد الكتاب اللي كنعاودو فيه واحد القصة. رومان. داكور. Alors celui qui peint des tableaux c'est un peintre. Récompense. مكافأة offerte dans le cadre d'un concours. يعني مكافأة ممنوحة في إطار ديال واحد المسابقة à une personne qui excelle dans un domaine. واحد الشخص يعني متفوق في الميدان ديالو dans un domaine de l'écriture في ميدان الكتابة. Alors prix littéraire جائزة أدبية. Qui tourne des films c'est un réalisateur مخرج. Celui qui tourne des films. Alors, à quelle thématique, شنو هي لا thématique ولا شنو هو الموضوع ديال هاد لي مو هادو؟ À quelle thématique appartiennent ces mots? Alors, شنو هو الموضوع اللي كينتميونا هاد لي مو؟ Ces mots appartiennent à la thématique de l'art, يعني الفن. Je retiens, l'art regroupe les œuvres humaines. إذن الفن يجمع نقول الأعمال الفنية destinées à toucher. هذه الأعمال الفنية sont destinées à toucher les sens, يعني ليلامسون الأحواس et les émotions وأحاسيس du public, ديال الجمهور. Il peut s'agir aussi bien de peinture, يمكن يكون رسم, que de sculpture, ديال نحت, يمكن يكون فيديو, photo, صورة, dessin, رسم, littérature, الأدب, musique, موسيقى, danse, الرقص. Je m'entraîne, je nomme ces lieux. نسمي هاد الأماكن اللي عندي فيها ثلاثة ديال الصور. Alors le premier lieu c'est le théâtre, masrah. Tani, ma'rid, musée. Tel, cinéma. Alors deuxième question, donne le nom de l'activité. Celui qui est question numéro 2, donne le nom de l'activité. Celui qui écrit des romans. Kati Yel Koutou. C'est un écrivain. Une œuvre d'art taillée dans le marbre. يعني عمل فني منحوت على الفخار. Sculpture. نحت. Livre dans lequel on raconte une histoire. واحد الكتاب كنعاودو فيه قصة. Roman.
Alors, œuvre cinématographique, amal fadni cinématographique qui est enregistré, moussajjal. C'est un film. Je m'évalue. Je cite ce dont on a besoin chacun des artistes suivants. Alors, hadi fannanin chnou kihtajou pour faire son travail bach ysawbou l'a'mal dialou ou la koul fannan chnou kihtaj bach ysawb l'a'mal dialou. Alors, peintre, rassam chnou kihtaj kihtaj sibara, la peinture, pinceau ou madak l'fourchette dial rassam, crayon de couleur, aqlam moulawana. Sculpteur, alors nahat chnou kihtaj, mkin kihtaj des ciseaux, mkosa, argile, fakhar, marbre, rochan. Scénariste, li houa moukhrich, mkin kihtaj des feuilles bach yksib alihom, des stylos, ou bien un ordinateur. Alors musicien, moussiqi, mkin kihtaj l'adawat moussiqiya, bhal le violon, bhal le piano, la guitare, ou la flûte. Alors, devinette. Je m'évalue. Le jeu de devinette. Chaque élève donne deux indices, juge de l'anamètre, la classe devine. Ou dek, ou l'kassa, yani, t'haraz had la devinette. Par exemple, il a qu'on a pinceau et peinture. Alors, c'est l'artiste peintre, al-fannan, al-rassam. Ou il a qu'on a argile, fakhar ou marbre rochan, alors c'est un sculpteur, yani nahat. La qulna violon ou guitare, alors c'est un musicien. La qulna hikaya, histoire, roman, kitab, alors c'est un écrivain. C'est un katib, c'est un écrivain. Alors merci mes chers amis de votre attention et à une nouvelle vidéo.